vous savez que c'est maintenant tous les vendredis comme samedi, mais il y a aussi les reprises, entre autres, le samedi à 19h30. Aujourd'hui, mon invité sera René Richard Cyr. J'aurai en critique principale le disque de K.D. Lang. Également, il y aura des flashs, comme d'habitude. Help, Blaise et Daphné, Geneviève Paris, The Presidents of the United States of America, Collective Soul, nous dirons ce qui écoute. Et il y aura l'analyse des palmarès. Première critique, c'est le nouveau disque de Green Day qui s'appelle Insomniac. Peut-être qu'il souffre d'insomnie parce qu'il se demandait est-ce qu'on va être capable d'être aussi bon que sur l'album de Dookie. Moi, je vais vous dire que non, franchement. Je me demande d'ailleurs pourquoi déjà un quatrième disque, devrais-je dire, de Green Day, c'est leur quatrième. Ça fait même pas 2 ans que Dookie est sorti. Déjà un nouveau disque, peut-être qu'ils se sont dit on est mieux de battre le fer pendant que c'est chaud. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui va être intéressé à écouter notre musique. C'est un disque qui est très court aussi, à peine de 33 minutes. C'est pas long, 33 minutes. Surtout que chaque chanson a vraiment la même formule, tune après tune, de petits formats de 2-3 minutes, bang, 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 bang. Et c'est aussi, ça répète comme un peu les mêmes tunes que Dookie, vire à l'envers. Il n'y a aucune évolution, c'est le gros reproche, aucun changement de son, c'est même une régression de Green Day de leur part. Les chansons passent, 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 puis on ne se souvient pas de grand-chose. C'est peut-être même des rejets de Dookie, je ne sais pas s'ils ont écrit ça récemment, mais il aurait pu écrire ça il y a très très longtemps. On ne retrouve vraiment pas la fraîcheur de l'album de Dookie. La meilleure, celle qui ressort, c'est vraiment Brains 2, c'est la seule différence. Je sais pas trop quoi vous dire à part de ça, mais j'ai pas trouvé ça très inspirant comme disque. Je m'attendais à plus. Mais ça va sûrement se vendre comme des petits pains chauds. Mais la coque,